Mr. Steal Your Girl. Oh oui, oh que oui. Il est steal tout. Oh purée, oh cette barbe, mais je suis jaloux. Ah, c'est incroyable. Et le pire, c'est que il a osé faire une continuité dans les cheveux. C'est-à-dire que tu peux suivre la ligne de la barbe et la continuer jusque dans les cheveux. Ah, j'ai trop envie de passer mon doigt et de la suivre sur tout son crâne là. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle n'est pas symétrique. On dirait que tu sais, le départ il est au niveau du menton et que tu peux le suivre et c'est une seule ligne. Mais c'est vraiment de l'art. La coupe de cheveux, c'est de l'art aussi. Ah, il est puce, il a cet air un peu conquérant et sérieux. Ah bah là, il a baisé. Il a baisé ma meuf. Ouais, ouais. Il le sait, c'est, il le sait. C'est très très clair. Alors, tu es énervé. Tu vas faire quoi? Rien du tout. Alerte suivant. Oui, il y a un NSF. Oh, on m'a mis alerte. Putain, à la suivante. C'est un terrain miné. Alerte hein. À la suivante. Y a NSFW en dessous là, c'est un terrain miné. Attends, vas-y, je désaffiche, on passe à la suivante. Oh, oh mais elle est trop drôle pour ça. Elle est trop drôle. C'est une meuf black avec un cul bien bombé quoi, genre énorme. Elle a une bouteille de je ne sais pas quel alcool, mais la bouteille est super large. C'est du whisky. C'est bouteille que vous imaginez. C'est une grosse bouteille de whisky. C'est super large. Elle est coincée entre ses fesses. Ses fesses sont tellement musclées qu'elle. Tac. Elle coince la bouteille de whisky, c'est énorme. C'est incroyable. Oh, je vais vous afficher celle-là, elle est très bien celle-là. Ah, je l'aime bien celle-là, voilà, ça c'est top, c'est familial. Je ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes sur cette photo. Je ne peux pas savoir si en à fait, droite ou à gauche, homme ou femme. En haut à droite, j'ai l'impression que c'est un homme, mais quand je regarde en bas à droite, j'ai l'impression mais que c'est une à femme. En bas à droite, on dirait que c'est une femme, on est d'accord. Lui ou elle, dans les deux cas, j'en sais rien. Je suis coincé. Je suis coincé. Il y a juste un problème de pourquoi la photo est montée comme ça, c'est une catastrophe. Oui, en fait, mais... c'est le montage qui fait rire parce que dans les rideaux, là, c'est incroyable quand même. Celle qui est contre le mur, il y a eu un effort de mettre la perspective du mur qui est un peu en biais pour que la photo colle. Et pourtant, à gauche, à la fenêtre, il n'y a plus personne. Oui, regarde le pied gauche. Elle est amputée. Elle est amputée du pied gauche. Il est manquant. Il n'existe plus. Est-ce que tu crois qu'elle a voulu faire croire au début, hey, je vais faire croire que je suis dans une belle chambre d'hôtel et qu'elle s'est dit, bon, fuck, personne n'y croira. Allez, on colle deux autres photos. Allez, je vais mettre ça sur Facebook. Excellent week-end au Marriott Hotel, je sais pas quoi. Non, attends, c'est quoi le tatouage, le connard? T'as vu qui l'a tatoué sur la joue, la gauche? Non, c'est pas possible. Mais c'est pourquoi il a possible. Fait ça? Mais il la braque avec son pistolet en plus? J'en peux plus. Mais faut être complètement malade. C'est qui? Les gars, vous allez la croiser dans votre cours d'histoire et vous comprendrez pourquoi la photo est gênante. Oui, ouvrez un bouquin, merde. Mais il la braque en plus, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en plus de ça, bon, déjà de base, c'est hyper malsain. Bon, et puis celui à droite, on dirait il a 16 piges et m'énerve avec son fusil d'assaut. J'en oui, peux une plus. Bonne claque dans la gueule pour t'as lui remettre les choses. Il va au collège place. Là. Il a l'air torché avec ses tatouages et tout. Vas-y, c'est ça trop. Se voit qu'il fait des choses où il est pas conscient que c'est très grave. C'est quoi qui pend de ses poches là? C'est quoi? C'est un t-shirt? C'est un bandana? Ah, c'est quoi? C'est des serviettes qui mettent généralement. Mais c'est pas lui qui est censé faire ça. Monsieur, vous serez gentil pour descendre de la barrière et puis vous arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Allez, on arrête vous ça le reposez. Maintenant. Vous reposez délicatement cette serviette par terre. Qu'est-ce que... Je la comprends pas tout à fait. C'est le genre d'image devant laquelle t'es un peu stun, tu vois. Le but c'est Tinder, ça veut dire qu'il veut espérer avoir un rendez-vous avec quelqu'un en mettant cette photo. C'est vrai que c'est Tinder. C'est ça du qui coup, m'intrigue. Il se dit ouais ouais. Bah vrai, moi je suis une fille, je vois ça, je dis oh bah je swipe. C'est une situation qui donne envie d'y aller quoi. Alors attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un face swap. Un face swap raté. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème et j'arrive pas à trouver lequel, c'est marrant hein, parce que je pourrais pas te dire ce qui me dérange. Je suis perplexe, ça m'énerve. Il y a de l'highlighter, l'eyeliner, double sourcil. Effectivement, ça fait un peu double sourcil. Bah déjà, c'est une bonne idée. Gros sourcil. Au-dessus, je comprends pas trop d'où ça sort. Non, mais c'est vrai qu'on dirait un face swap. Parce que même à gauche, lui, il me dérange. J'arrive pas à savoir pourquoi, mais il me dérange. Oui, même lui, il a un truc étrange un petit peu. Il est trop lisse. Qu'est-ce que tu caches derrière ce visage? Oh, nickel. Celui-là, il est nickel. Ah, le drapeau confédéré. Ah, il est ouais. Bon. Ouais, il est magnifique. Et j'aime bien la première là, en haut à gauche. Hey, attention. Attention. Pan. Je sais me défendre. Paf. C'est quoi ce drapeau en haut à gauche là? Vous connaissez? On dirait un drapeau breton. S'il n'y avait pas la bande bleue, j'aurais dit breton. Le drapeau pro-flic Blue Lives Matter. Ah ouais. Je savais même pas que ça existait. Un drapeau comme ça. Mais attention, si tu dis du mal sur elle. Pan, pan. Tu ne sais pas qui je suis. Tu la désires soit à droite, soit à gauche. Attention, elle a deux facettes. Tu peux être à elle, mais tu sais ses idées. Sinon, pan. Graou, sauvage. Oh bah, c'est joli ça. Il lui a demandé son numéro dans une banque, je crois, et du coup, ils ont fait sur le thème. Oui, ça, c'est super nul. C'est super nul, mais c'est nul à un point. C'est vraiment trop stylé quoi. C'est nul, chier. Mais comment il est habillé? Putain, lui mais... C'est un jour important en gros. C'est quoi? Heureusement qu'ils sont pas rencontrés dans les toilettes. C'est, hein. C'est quoi ce vieux hoodie avec sa casquette là? Habille-toi bien, puis elle avec son legging là. Il en a rien à foutre et elle non plus. On me signale une alerte générale pour la prochaine. Alerte, alerte générale.
Alerte, alerte maximale pour la prochaine. Ah, vous avez été prévoyant, mais encore une fois, sachez que c'est pas un motif de vanne. Techniquement, van, ça. On est bien. On est safe. On peut vous la décrire. J'ai vos parents dans la pièce, vous pouvez aller voir. Ouais, voilà, okay. Profiter tous ensemble. La dame est bah, à poil, mais elle a caché habilement les Denis Bar avec des rouleaux de PQ et l'entrejambe au complet, même les hanches, avec des rouleaux de sopalin. Donc je comprends pas trop l'intérêt de la photo. Elle s'essuie, en tout cas. Le sopalin, c'est pas glamour du tout. De toute façon, c'était pas glamour de base, hein, non, le non, principe. Bah non. A local 28 years old method out rapper. Enfin, il est stylé, hein. Il a une cred. Il a la classe, en ça tout en cas. Ça en impose directement. Il a dû signer en maison de disque juste après cette photo. Stylé de A à Z, hein. Ouais, ouais, de haut en bas, hein. J'ai pas masqué. Tu commences à avoir peur de tout et de rien. Mais j'ai cru que c'était un cul. Bah oui, je t'avoue qu'en fait, dès qu'on voit de la peau, on commence à avoir peur. Faut arrêter. Je commence à avoir peur de tout, mec. Oui, bon, non, mais je voulais dire. Quand même, hein. Je me suis mal fait comprendre. Oui, ça fait peur, c'est effrayant, mais pas pour la bonne raison. En deux secondes, j'ai cru voir un cul ici. Je t'avoue que, en scrollant très vite, on dirait un cul. Mais tu sais, un cul saucissonné, un peu comme un rôti de oui, porc. Oui, oui, mais je vois bien ce que tu veux dire. Non, 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 c'est donc en fait, ça okay. Va. En fait, c'est un style très particulier. C'est entre le girly naïf enfant, donc tout ce qui est rose et et le trash avec le collier bah, de chien. Quel est ce style? C'est les... Ah putain, elle a fait un mix and twist avec les deux. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Par contre, les chaussures sur le matelas, t'es gentil, tu dégages ça. Got Loli. Got Loli. Je vous demanderai pas le chat. Comment vous savez ça? Je vous demanderai pas. Comment si vous, vous aimez bien. Je vais juste vous remercier de l'avoir dit. Merci d'avoir commis et de l'avoir dit. Eh bah, j'ai cherché ça sur Google à minuit. Hop. Allez, Got Loli, une nouvelle catégorie à chercher. Hop là. Et bah, nouveau king pour Damien. Eh bah, allons donc. Bah, vous êtes un Slenderman, hein, ni plus ni moins. Mais tu te souviens qu'au collège, alors je parle pas de votre collège à vous les gosses, je parle du collège de Thomas et moi, il y avait une mode et les meufs elles se prenaient en photo et elles mettaient le flash et la lumière au max et on distinguait que leurs deux trous de narine. Et les yeux limites. Pendant trop longtemps, les meufs se prenaient en photo et c'était à fond éclairé en blanc et on voyait toujours que deux trous de pif. Et c'était aussi pourri que ça. Oui, sauf que là, sa photo a été faite il y a pas longtemps finalement. Je après, souviens, on est horrible, la fille n'a pas de nez. Elle respire par la bouche. C'était juste pour qu'elle se sente bien et qu'elle ait une jolie photo. Hey, ça fait quand même plaisir de voir ta mère dans l'album photo. Hein. Bon, bandant ou pas bandant le chat alors, merde. On passe aux aveux. Vous aimez bien ce que vous voyez? Sérieux les gars. C'est pas grave hein les gars. On vous la laisse afficher un petit peu. Profitez hein. Et une belle lady comme ça. Encore des Cheerios. Oui, c'est vrai ça. Sur le frigo. Pourquoi il y en a autant? Vous aimez bien les Cheerios hein. La cuisse est galbée hein. La cuisse est galbée de ouf hein. C'est ouais. Vrai que putain. Bah ouais. C'est dingue. Eh ben ça presse à la salle hein. C'est bon. Sérieux, ça. Sérieux, elle travaille les jambes hein. Le gremlin s'en bat à droite. Les cheveux. Il y a une année où c'était à la mode ça veut dire. Ça me choque toujours énormément. En France, dans les années, c'est quoi les années 80, où les meufs avaient beaucoup ces coiffures là. J'ai l'impression qu'on a fait de la merde dans nos années, mais pas autant. Hein. Puis en plus, ça devait prendre du temps de faire cette merde. C'est beaucoup d'efforts pour faire un truc aussi laid. Hein. Attends, il a été catfish, mais elle avait de la weed, donc c'est cool. Il a trop le seum, mais il s'est dit boah. Mais j'aimerais trop voir à quel point il s'est fait catfish. Il est content. Ouais, il est content, mais il a le seum, tu vois. Il est dans un. Il y a un petit goût d'amertume quand même. Oh la vache. Les deux à gauche, si on leur demande de faire un calcul mental pas élevé, genre 5 plus 4, ils vont galérer. Ah, il faut flipper. En vrai, celui du milieu, j'ai flippé. Celui de gauche, je sais qu'il est capable de me poignarder pour avoir juste un euro qui traîne dans mon portefeuille. Celui du milieu, il me fait extrêmement peur, mais pour d'autres raisons. En tout cas, la première ligne nous dit qu'ils sortent, hein. Ils sortent avec l'équipe ce soir. Ouais, et ce qu'il soir... faut mieux cacher ta salope ou on va la baiser. Donc... Heureusement, les consignes de sécurité sont encore respectées. Il n'a pas son doigt sur la gâchette. C'est Dieu vrai. Soit loué. Donc il n'y a le aucun risque. Le plafond est préservé. Toutefois, attention quand même, vous pourriez séparer le rocket du launcher, ça ne mangeait pas de pain. Faut pas le faire tomber non plus, je pense, faut y aller tout doucement. Faut pas avoir ça tout court, j'imagine, que ce soit chez soi ou ailleurs. Pas utile d'avoir un lance-roquette, j'imagine mal un conflit armé où t'as besoin d'un lance-roquette pour régler, je sais pas, une embrouille entre mecs. Je me demande si des mecs qui ont vraiment beaucoup de permis et tout aux États-Unis, ils ont le droit d'acheter un lance-roquette, tu vois. Mais pourquoi faire? Tu peux pas non, te défendre. Alors, alors j'en sais rien. C'est une arme de guerre, genre ça ouais, dépasse vraiment... n'importe. Après, du coup, une M16. Tu peux faire croire que t'as besoin d'une M16 pour défendre ta maison. Je veux encore bien y croire. Ah si ouais, tu veux. S'il y a 30 voleurs. Voilà, faut vraiment tirer de ouf. Mais, faut mettre des rafales. Il y avait un véhicule blindé qui a rentré sur mon terrain. Il y a un tank sur ma propriété privée. Alors, eh bah super. Eh bah voilà. Pourquoi ce choix d'endroit pour une photo? Je ne sais pas. Mauvais endroit. Drip de fou. Oh mon dieu. Alors, oh, j'adore. Voilà. Oh c'est trop. Babe oh, a fait sa première overdose. Ah super. C'était visiblement un moment inoubliable à partager sur Instagram. Il est content de participer. Hein. Elle me fout trop le seum avec sa tête. C'est pas la classe ça? Babe qui fait sa première overdose. Oh la honte. Il a fait que maintenant. Moi j'aurais déjà fait
3. Quelle pute. On arrête là? Ouais, sinon c'est trop gourmand. Moi je pourrais continuer comme ça pendant des heures, c'est un peu le problème. Ah, il continue, oh, regardez j'ai ça. J'ai scrollé une fois, c'était un AK-47. Alors bon. Allez, je vous donne 7 AK-47 avec des billets et une casquette à l'envers et un air de con. Ensuite, je vous donne une photo légale. En réalité, une photo légale. Il y a un problème avec les fusils d'assaut. Hein. Mais jamais le doigt sur la gâchette. Ça fait un peu ridicule avec le miroir derrière. On n'est pas censé voir ce côté de la photo. Ouais, t'as vu le côté de cette photo? Il est vraiment moche. Ça on dirait une caméra de vidéosurveillance. Un truc qui passe en 7 vues. Ça rend con un peu la photo, ouais. Attention, la dernière, mais gourmand. Elle est légale, je pense. Elle est légale complètement. Et mais elle est curste de ouf avec ses yeux qui brillent. Encore une fois, c'est un boss dans Elden Ring. Je l'ai affronté lui, hein. Normalement, il y a que les animaux où leurs yeux ils brillent comme ça sur les photos. Genre là, les non, yeux ils brillent aussi trop. Des gens fous. Il me fait vraiment flipper. Hein. Le chien, il a trop le seum, vraiment. Bah oui, bah je comprends hein, quand on a un maître comme ça. Voilà, mes gourmands, franchement, on vous a régalé avec les trois dernières photos là. Ah oui, là, vous avez vu votre dose. Hein. Vous pouvez pas espérer mieux. Hein.